home, domestic. Ça veut dire que quand tu rêves, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de vivre dans un rêve. Et ça reste dans ta tête. C'est ce qu'on appelle un rêve. Or, un rêve est un message. It is a message. Un rêve est un message. Dis à quelqu'un, un rêve est un message. Nous prenons Matthieu 2, le verset 12 à 13. Comment Dieu va parler à quelqu'un dans un rêve? Au travers d'un rêve plutôt. To 13. Écoutez très bien. Je vais vous donner les. Vous allez voir quels sont les rêves que vous faites qui sont. Je vais vous donner des enseignements. Matthieu 2, le verset 12 à 13. Verse 12. Matthieu chapitre 2, verset 12 à 13. Puis. Divinement averti en songe. Attends, on n'est plus divinement averti en songe. C'est en rêve que Dieu va parler à Joseph. Allons-y. De ne pas retourner vers une autre retraite. Alors, du moins, aux mages. Ceux qui sont venus adorer Jésus, les mages, le roi mage. Allons-y. Ils le regagnèrent le pays par un autre chemin. Amen. Vous comprenez? Donc c'est pour travers d'un rêve que Dieu a parlé à ceux qui sont venus adorer Jésus, les mages. Le rêve, c'est ce qui vous éclaire sur le domaine, le monde spirituel. Amen. Il y a les rêves venant de Dieu. Et puis il y a les rêves venant de la sorcellerie. Est-ce qu'on va bien saisir? Ok. Donc je disais comme ça qu'un rêve venant de Dieu, ce qui vient de Dieu, il t'avertit sur un danger, il te parle d'un danger. Il te parle d'un danger. Il te parle de la destinée. Tel que le rêve qu'a eu Joseph, n'est-ce pas? Joseph, Dieu lui donne un songe. Le soleil, les étoiles venaient se prosterner devant la lune. Son père symbolisait le soleil et ses frères la lune. C'est un message, mais dans le son. Il parlait de sa destinée. Pour dire à Joseph, demain c'est l'homme dossier de ses frères. Amen. Donc Dieu parle. Mais un rêve de la sorcellerie du diable, ça effraie. Quand vous voyez ça, vous dites que non, j'ai fait un cauchemar, n'est-ce pas? Je prends un rêve. Par exemple, quelqu'un dort. Amen. Il voit une rivière. And et en train de marcher sur une rivière. Quand tu vois dans un rêve que tu marches sur une rivière. On the river, amen. Ça veut dire qu'il y a des territoires que tu vas posséder. Il y a des commerces, il y a des choses que tu vois. Ton commerce va grandir. C'est différent. Hein? Parce que marcher sur les eaux. Les eaux signifient difficulté. C'est pour ça que le dit Jésus a marché sur les eaux. That's why Jesus walked on waters. Amen. Or, le symbole des mers, c'est des problèmes, des difficultés. C'est différent de celui qui se noie. On a compris? Dies on the water. Il y a des gens qui se noient. Dans le rêve, ils ont l'habitude de se noyer. Quand tu te noies en rêve, water, ça veut dire que tu vas perdre ce que tu as. You shall lose si tu avais un foyer, tu vas perdre le foyer. If you had a house, you're going to lose it. Si tu avais un travail, tu vas perdre ce travail. If you have a job, c'est ce qu'on appelle les rêves mystiques. It's what we call mystical dreams. Pourquoi on vous explique ça? Let me explain it. C'est le rôle du prophète de vous expliquer les explications des rêves. To explain you the roles of the dreams. Quand on voit de l'eau, une rivière, et puis tu marches sur cette rivière, c'est pas diabolique. C'est la possession de territoire. This is the possession of the territory. Ils sont en train de te faire parler, mais Dieu dit c'est pour toi. C'est ce que ça veut dire. Tu vois qu'il t'en fait marcher sur l'eau. On te menace pour dire que ça là, personne ne peut te déraciner. Mais quand tu fais un rêve, et dans le rêve, tu te noies, ça veut dire le foyer, là, tu vas perdre ça. Le travail que tu viens d'avoir, là, tu vas perdre. Ton argent que tu viens d'avoir, tu vas te gâter. Ou bien le monsieur qui dit va te fiancer, il va fuir. Il sera sur messagerie. Au rang, bonjour. Au correspondant, fuit. Laissez-le en paix. Au rang, il m'a dit pardon. Le monsieur, là, il ne va plus jamais revenir. Vous le laissez, vous ne pouvez appuyer. N'envoyez pas de message. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? Je suis en train de donner l'explication des rêves. Tu te noies. And then you drown. Tu te noies. You drown. Ou bien dans le rêve, tu es en train de te laver avec de l'eau claire. Ça veut dire qu'il t'a accusé à ton travail, mais tu vas te blanchir. God will give you right.
Voilà, Dieu te blanchit. C'est pas sirène des eaux. Les gens pensent que quand on voit un rêve, l'eau seulement en rêve, c'est sirène des eaux. Non. L'eau, c'est symbole de vie. Hein. C'est ça. Et quand quelqu'un marche la nuit, c'est en même temps vie pour les difficultés. C'est pour ça que la mer dans la Bible devient trop. On appelle ça les difficultés, c'est les symboles. Amen. Est-ce que tu m'as bien saisi? On m'a bien saisi. Notez ça très bien. Notez ça très bien. Ok, prochainement, si vous avez des rêves, vous pouvez connaître les significations des différents rêves. Ça va vous aider dans la prière. Si vous ne rêvez pas, demandez au Seigneur de vous permettre de rêver. Parce qu'il faut que Dieu vous parle. Mais comment tu rêves ça? C'est dangereux. Comment tu sauras que le diable fait des manigances contre toi? Des choses contre toi, ou même tu as envie de te parler, il ne peut pas te parler. C'est dangereux. Amen. Quand vous faites un rêve, when you have a dream, et puis vous voyez un éléphant qui vous poursuit, you see an elephant, vous voyez un éléphant dans le sommeil, dans le rêve, nez à nez avec un éléphant, in your dream, ça veut dire, il y a une force qui va venir t'attaquer. Il y a des gens qui vont s'élever contre ce que tu es en train de faire. What you're doing. On m'a bien saisi. Quand vous faites un rêve, et vous voyez que la chambre, on vous offre une chambre, et puis c'est bien décoré la chambre. Vous voyez, c'est bien joli. Quand vous réveillez, remerciez le Seigneur. Thank the Lord. Amen. Amen. Parce que vous aurez une promotion. Because you shall have a promotion. Vous allez voir forcément une promotion dans le travail. Have a promotion. On va bien saisir. La chambre est bien décorée, vous voyez, on dit, voici où on vous a logé. Vous voyez que la chambre est bien décorée. Ça veut dire que vous aurez une promotion. Les temps qui suivent là, il y aura une promotion. Donc déjà, dans ce que nous sommes en train de voir, vous pouvez déjà voir les rêves sataniques et les rêves venant de Dieu. Mais ce n'est pas tous les rêves qui sont sataniques. Devilish, on m'a bien saisi. And the dream from God. Amen. Amen. Ou même pendant que vous dormez, sleeping, vous voyez une horloge, la montre. While dreaming, si quelqu'un est malade, il est gravement malade, et qu'il est couché, et dans son rêve, il constate qu'il entend de regarder l'horloge, qui vous explique ce que son temps est arrivé. Ça veut dire que la mort n'est pas loin, ça veut dire que le temps est arrivé. Le temps est arrivé pour qu'il parte. Parce que l'horloge veut dire le temps est arrivé. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Est-ce qu'on saisit un peu ce que j'ai dit? Amen. Est-ce qu'on me saisit un peu? Amen. Le cinquième rêve, quand vous rêvez, un séisme, c'est-à-dire les tremblements de terre, vous êtes là quelque part, vous savez que tout devient noir autour de vous dans le rêve, et puis il y a tremblement de terre. Ça veut dire les temps qui suivent, vous allez être violemment éprouvé. Il y a une preuve qui va venir quelque part. Qui va te secouer. C'est une preuve. Il faut commencer à prier. Start praying. Quand tu te lèves, il faut prier. Parce que tu seras confronté à une preuve. Because toughness. Ça, c'est le cinquième rêve, n'est-ce pas? Est-ce qu'on me suit un peu? Amen. Le sixième rêve. The sixth, quand vous rêvez. What is dream? Amen. Amen. Que quelqu'un. That someone. Pointe le fusil, le bout de fusil sur vous comme ça. The girl and you like this. Ça veut dire, ils vont vous accuser. Les temps qui suivent, vous aurez une accusation très grave. L'accusation, vous allez dire, je n'ai rien fait, mais bouche sale là, ici. Moi, j'appelle la bouche des accusateurs la bouche sale. Ça veut dire, quand tu vois le rêve, puis quelqu'un veut comprendre mes fils sur toi. Puis tu ferais tes rêves. Les temps qui suivent là, tu n'as rien à voir une histoire, ils vont venir coller ça sur toi. Je suis en train de vous expliquer les significations des rêves. Just explaining definition of the dreams. Ou bien vous rêvez le 6, le 7ème rêve, vous voyez que quelqu'un vous montre un cadenas. Et quelqu'un vous montre un cadenas rêve. Vous vous réveillez, vous êtes frais. You wake up, c'est une captivité. Vous restez dans une prison. Ah oui. Prison. You can be in jail. Le 8ème rêve, souvent on rêve. Est-ce qu'on voit le pasteur qui vient nous rendre visite? Then we see the pastor. Vous avez l'impression qu'un homme de Dieu vient nous rendre visite. You have the impression that ce rêve-là, la signification, ça veut dire Dieu te donne l'autorité. Il y a un problème là. Quand tu vois, ça veut dire Dieu va donner le pouvoir sur ce problème-là. Il va te faire, voilà, prendre le dessus
sur ce problème. The power of that problem. La personne vient te rendre visite, un homme de Dieu vient te rendre visite, il t'accueille, voilà, il vient te rendre visite, il part avec lui dans le rêve. You talk with him in the train. Autorité. This is a sign of authority. Si vous voyez dans un rêve, you see in a dream, et que vous êtes quelque part dans le rêve, and then you are somewhere, vous voyez un président de la République that you see qui descend d'une voiture. Coming down from the car, il vient te saluer. He greets you. Quand tu te lèves, when you wake up, verse lui sur ta tête. Ça veut dire, Dieu va te taper au-dessus de tes frères. Il va te taper au-dessus de tout le monde. Amen. Il est un puissant rêve. It is the power. Quand vous voyez un président de la République dans le rêve, when you see a president, qui vient te saluer, come and greet you, c'est un symbole de supériorité. This is a symbol of superiority. Manger un rêve, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire initiation à la sorcellerie. Initiation. Initiation à la sorcellerie. Au moment où quand t'es dit, on dit sur toi, c'est différent de te montrer un fusil comme ça sur toi, pointer un fusil, c'est différent. Quand te pointe un fusil, on a dit quoi? C'est accusation, n'est-ce pas? Maintenant, quand on dit sur toi, c'est un problème d'accident. It's a matter of accident. Ou un chien te mord, c'est la sorcellerie. C'est un problème d'accident. Ou un bœuf te poursuit. Le bœuf, quand il te poursuit, ça veut dire que les sorciers sont en ta trousse. Ils t'ont mis dans un filet. Ils t'ont mis dans un filet. Ils attendent l'occasion pour toi. Mais quand le bœuf te coigne, ça veut dire que la sorcellerie t'a déjà détruit. Quand le bœuf te coigne en rêve, c'est dangereux.